Djokovic weer met hoekschop. Drie mensen van KV Mechelen blijven hangen voor twee spitsen van Westerlo. Ja, de kopbal en binnengekopt door Van Pierre. Bij zijn debuut scoort hij meteen. Hij was een topschutter in Libië. Daar 21 goals in 32 matchen. En hier bij zijn debuut de man uit Burkina Faso meteen met de goal. En een stevige kopbal hoor. Ah, goed vrijgelopen. Een metertje vrijheid gekregen. En dan keihard rechtdoor gekopt. Jakovenko was het. Hem liet lopen. Yeah.
Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue ici au stade du 4 août à l'occasion de ce match amical et international entre les écureuils du Bénin et les étalons du Burkina Faso. Vous avez suivi, après l'exécution des hymnes nationaux, plan amical quand même attendu. Et puisque on peut le dire, c'est la première sortie des étalons après donc la CAN 2012. Bonsoir Mamadi Wena. Bonsoir Victorien Marielle. Voilà, ensemble, bonsoir chers téléspectateurs. Ensemble, nous allons commenter ce match en léger différé pour nos téléspectateurs. Alors avec vous, c'est vrai que le top départ, le coup d'envoi a été donné, mais on va voir avec vous la composition de l'équipe du Burkina Faso. Ce n'est pas vraiment la grande affaire. Oui, Victorien Marianne, ce n'est pas la grande affluence. On a dans le but Abdoulaye Soulama qui fait son retour après pratiquement plus de 4 ans d'absence. 18 Charles Kaboré, le capitaine de cet après-midi. 5 Mohamed Kofi. 12 Madi Panan Tigri. 8 Paul Koulibaly. 6 Soumaïla Belem, un nouveau qui vient de rentrer dans le groupe des étalons et joue à l'Africa Sport d'Abidjan. 20 Ali Rabot, qui vient aussi d'honorer sa première sélection. C'est vrai qu'il jouait déjà à l'Aswa Yenenga, mais maintenant il est en Égypte. Il est titulaire quand même en Égypte. À oui. Al-Shota, si je ne me trompe. Oui. 22, Prégis Nakulma. Razak Traoré, 21. Razak qui joue en Pologne, qui avait des difficultés pour jouer la CAN passée, mais qui est là. 17 Pierre Koulibaly qui fait lui aussi son retour. Et Moussa Yedan de l'étoile filante de Ouagadougou qui est aussi sélectionné pour la première fois comme remplaçant dans les buts, alors que je crois qu'il y a une occasion burkinabé. Avec Pierre Koulibaly. Une balle, une longue balle de son frère jumeau. Il adore ses balles en profondeur. Pierre Koulibaly, mais son pied gauche, il n'a pas bien eu ce ballon. Okay, le gardien a pu... Je vais continuer. Je disais tantôt, comme gardien remplaçant, nous avons Daouda Diakité, autre joueur remplaçant, 2, Ibrahim Yanou, 10, Draman Nkema qui joue ici à l'USFA. À l'USFA, oui. 23, Germain Sanou de Saint-Etienne. 4, Issaka Ouedraogo de Almira en Autriche. 11, Nassis Bambara de l'étoile filante de Ouagadougou. Alors que les écureuils étaient bien partis. Ah oui, les étalons ont souffert sur cette action des écureuils, Mamadi Wena, et ça donne un corner. Et c'est Stéphane, Stéphane Sessignon qui va. Le premier corner des écureuils du Bénin. Ballon, Abdoulaye qui sort, qui boxe. Ce ballon, Mamadi Wena. Ouais, ce ballon qui était dangereux. Donc, le dernier remplaçant côté burkinabé est Aboubakar Kwango. Oui. Lui aussi de l'étoile filante de Ouagadougou. Je disais tantôt que le capitaine, c'est Charles Kaboré. Et l'entraîneur, comme on le sait depuis un certain temps, est Paul Put, comme adjoint Sidi Napon. Voilà. Donc, côté écureuil du Bénin, il faut dire que, alors qu'on va suivre cette action offensive des... Les étalons avec Préjus qui va frotter. La frappe de Préjus Nakulma qui passe à côté de la caille de Guillaume Bemenou. Donc les écureuils qui ils ont rallié Ouagadougou par la route, plus de 1000 km. Avec des stars comme Stéphane Sessignon. On disait que Sessignon n'allait pas effectuer le déplacement par la route, mais c'est fait. C'est-à-dire que dans tout chauffe de la modestie. Et nous saluons en tout cas le courage de ces joueurs béninois qui ont bravé tout ce qu'il faut pour rallier Ouagadougou et livrer ce match amical. Donc rapidement la composition des écureuils du Bénin. Dossard 1, Guillaume Bemenou. Bien sûr, le capitaine Dossa Ducet, Stéphane Sessignon. Khaled Adenon Dossa 3, 14, David Djirila.
8 Razak Amotoyosi, Omotoyosi plutôt. 4 Djiman Koko, Dossard 12, Arsène Menessou, 5 Jordan Adeoti, 13 Pascal Anga, 9 Abou Maïga et 15 Anissé Adjamossi, remplaçant Écré du Bénin, qui sont donc, vous les reconnaissez par leur couleur, tout en jaune, et puis remplaçant donc Farnol Fabien, Romuald Boko, Nabil Yarou, Michael Poté, Salomon Aka, Baratuno Bello et Dossa 19, Jocelyn Aouéa. Voici donc un peu la composition de l'équipe béninoise. Il faut noter que c'est un trio arbitral ivoirien qui officie ce match amical avec comme arbitre central Tangba Kambou. Alors là, c'est un parent. Et premier assistant, Shérif Bogbe. Et deuxième assistant, Gabriel Kanga. Le quatrième, il est burkinabé, Ephraim Juste Zio. Et voici de façon ramassée les officiels. En tout cas, la fiche, la feuille de match de cet amical entre les étalons du Burkina Faso et les écureuils du Bénin. Dans tous les cas, au fil des minutes, nous permettrons aux téléspectateurs de connaître davantage ces joueurs béninois, pourquoi pas les nouvelles recrues aussi du côté du Burkina Faso. Oui, alors que nous jouons 6 minutes dans cette partie, le score toujours 0-0 entre étalons du Burkina et écureuils du Bénin. Cette partie qui a pris une entame sans round d'observation parce qu'il y a eu une première occasion des Burkinabés, les Béninois ont répondu et le match est quand même animé. Oui. On essaie de chaque côté. C'est vrai que ce n'est pas le grand public, mais la chambrée qui est là et encore une position avancée qui n'est pas du tout, la décision de la vie n'est pas du tout de l'avis des supporters. Mais comme on le dit souvent, c'est l'arbitre qui décide, c'est le seul maître du terrain. C'est le seul maître du terrain. Et je crois qu'il est là pour accompagner les étalons et les écureuils à se préparer pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. Voilà, le 2 juin, ici même au stade du Caour, contre les Diables Rouges du Congo. Oui. Côté étalons et côté écureuils, ça sera face aux aigles du Mali. Alors que là, c'est une sortie en touche. Je crois que ce sera au profit des écureuils du Bénin. Oui. Avec Anissé Adjamossi. Adjamossi. Qui va permettre aux Béninois de se relancer. Alors que là, on se bat. Il joue en CFA en France. Anissé. Ah oui, il y a quelques joueurs béninois qui sont en CFA. En France, alors que l'entraîneur, lui, c'est un Français, ouais. Manuel Amoros. Manuel Amoros. Un bleu. Un ancien international, comme dirait l'autre, un vrai coq. Alors que ce sont les Béninois qui sont à la manœuvre. On essaie de s'organiser. Non, balle que ne pourra pas récupérer Arsène Menessou et la remise en jeu est burkinabé. Charles Kabore pour Panantigri Nakulma qui n'arrive pas à dompter la balle. Ce sont les Béninois. Ouais. La charnière centrale. Bien en place. Ouais. Et là c'est le capitaine Charles Kabore qui relance pour Nakulma. Nakulma Charles quand même qui a eu beaucoup de difficultés cette année à Marseille, ouais. Mais qui a fini quand même sur une bonne note parce que il était là pour les 4 derniers matchs de Marseille et pour le dernier match qui s'est joué au Vélodrome, il a joué dans l'axe central, ouais. Et même le dernier à Chaussure encore et comme défenseur central. C'est montrer toute la polyvalence de ce joueur qui a eu à jouer même latéral et qui s'amuse à souvent dire que même gardien de but il va jouer. Bon, ça c'est pour plaisanter, mais
C'est pour montrer que dans le football moderne, il faut s'attendre à tout. Oui. Donc, il faut être mentalement fort. Il faut être fort. Alors, coup franc pour les étalons. Suite à cette faute sur Préjus Nakoulma. Voilà Préjus qui gâte le contrôle. Préjus avec Moussa Yedan, le local, j'allais dire. Il réussit à trouver Paul. Paul va renverser le jeu du côté de Mohamed Kofi. Mohamed Kofi, très bien joué avec Ali Rabot. Circonférence médiane. 1-2 avec Pierre Koulibaly. Pierre est parti. Pierre va shooter. La défense est là. But. Non. Incroyable. Pierre Koulibaly, il s'est démené comme il peut. Par deux fois, il a tenté de prendre à défaut Guillaume Bemenou. Mais donc c'est un corner finalement. Avec Moussa Yedin à la manœuvre. Ah, ça a été à mon avis mal tiré ce corner burkinabé. Donc première action d'envergure pour l'attaque burkinabé. Ouais, une très belle percée de Pierre Koulibaly qui méritait un autre sort. J'avais vu la balle au fond, malheureusement ça n'a pas été le cas. Je crois que les burkinabés doivent persévérer et il faut essayer de prendre à défaut cette défense des écureuils. C'est un match amical, mais pour une rentrée, c'est de marquer très rapidement. Surtout Pierre a dit à notre micro qu'il était vraiment, il a vraiment envie de prouver dans cette équipe première du Burkina Faso. Et je pense que également, il a fait une bonne entrée. Ouais. Par deux fois, on l'a vu se mettre en évidence. Par des appels assez intéressants. Je crois qu'il fait partie des espoirs. Quand je dis espoir, ça veut dire que ce sont les attaquants qui doivent prendre la relève au sein des étalons. Il méritait quand même d'être dans le groupe depuis, dans le groupe depuis 2010. Je crois que c'est ça la relève au niveau de notre football. Voilà, et puis surtout au niveau de l'attaque. Nous n'allons pas Pierre Koulibaly reculer, mais je crois que il joue des deux pieds. Des deux pieds il a une bonne tête, comme on le dit. Donc, malheureusement, voilà, peut-être sur le plan professionnel, il n'arrive pas à trouver un club digne de ce nom. Et qu'est-ce qu'il fait, Mamadi Panantigri ? Mauvais contrôle, attention ! À la frappe ! Et premier tir ! La frappe de Omotoyosi, oui. Razak. Parade Sulama. Parade Sulama. Alors, la défense, une défense reconstituée. À jouer avec le feu ici, le taureau béninois, Omotoyosi Raza, qu'on connaît très bien, qui joue en Égypte, je crois. Aux Amalek. Dans le et même championnat que Ali Rabot et Mohamed Kofi. Voilà. Deuxième corner avec Seseyan. C'est une passe pour Charles Kabore. Charles Kabore, bien joué, Razak. Razak va prolonger maintenant pour Préjus. Préjus sur le flanc gauche. Préjus. Oh là là. C'est quel jeu facile de Préjus. Hein? Il aurait pu mieux s'appliquer Préjus Nakoulma. Mohamed Kofi va jouer avec Yedan. Moussa Yedan pour Pierre. Et faute. Et c'est une faute. Forcé Pierre, vraiment qui est très très remuant. Il essaie de pas cette déviation, de mettre ses coéquipiers en bonne marche. Pour le moment, comme vous l'avez si bien dit, il a fait une bonne entrée. Ouais, il a un ange gardien assez coriace. Ce défenseur terrien béninois. On n'arrive pas à repérer son dos. Voilà. Qui joue en France en national lui aussi. Donc, une balle arrêtée pour le Burkinabé. Il me semble que ça va être Ali Rabot. Qui a une lourde frappe. Ah oui. Quand c'est cadré. C'est cadré. Ali. Et le ballon qui passe au-dessus de la cage de Guillaume Bemenou. C'est donc, très bien tenté, mais il a manqué le cadre. Oui.
Son problème, c'est cadrer. C'est cadrer. Pour cadrer les tirs. 0-0, alors que nous jouons 15 minutes dans cette partie. Le score, toujours 0-0 entre Étalon du Burkina et Écureuil du Bénin. Les Béninois et les Burkinabés qui vont récupérer. Mohamed Kofi, Moussa Yeda qui n'arrive pas à récupérer la balle et les Béninois qui se dégagent en touche. Il y a un Béninois. Oui, qui est resté. Il se tord de douleur. Quoi qu'il va se relever. Il allait au duel avec. Je crois que c'est Abou Maïga. Oui. Il allait au duel avec Belém. Belém. qui était en retard ce soir. L'action. Ouais. Je crois que ce n'est pas facile pour lui de faire première pour sa première sélection, mais ouais. Pour le moment, en attendant de voir surtout, ce qu'il va nous prouver. Une responsabilité aussi grande, comme jouer comme libéro. Comme libéro. C'est pas évident. Même si on joue à l'Africa, les étalons, c'est une autre paire de manches. Oui, ça c'est vrai. Espérons qu'il pourra assurer cette place. Parce que les nouvelles que nous avons des autres défenseurs burkinabés, Bakary Koné est blessé. Mamadou Tall aussi blessé. Ouais. Bon, ce sont les informations que nous avons. Ouais, on n'a pas qui pu parle les de blessures diplomatiques. Ibrahim Yanou, on leur souhaite prompt rétablissement. Prompt rétablissement. Ibrahim Yanou, lui, il est là, mais depuis la CAN, il n'a plus joué. Il était au pays, donc il est à court de compétition. Oui, bien sûr. Alors que les Béninois, on va tenter de pédaler. Il manque de compétition. Et là, c'est Belém qui arrive à se dégager. Oui. Les Burkinabés qui vont tenter de récupérer Ali Rabo. Et là, c'est Raza qui laisse la balle sortir. Remise en jeu pour les Burkinabés. Qui, pour le moment, ne domine pas vraiment les écuries, mais les étalons sont quand même bien en place. Ouais. Espérons que ils vont continuer pour essayer de marquer un but. Ouais. Et puis vous avez vu le replacement de Paul Koulibaly, qu'on a voulu utiliser comme latéral gauche. Ça n'était pas son vrai poste. C'était pas du. Alors du pain béni pour lui. La Razak. Razak va s'infiltrer, il a trop poussé son ballon. Razak, pied droit. Non, la balle qui sort. Il ne pourra pas effectuer le centre. Donc, ce soir, Paul Koulibaly joue comme stopper. Stopper. Ouais, on le reconnaît à ce poste quand même. Ouais, c'est son poste de prédilection. Voilà. Et je crois que peut-être. Sa reconversion comme latéral gauche a été quand même. Très difficile pour lui. Et laborieuse. Laborieux. Et je disais, pourquoi pas, peut-être qu'on aura l'occasion de reconstituer la paire Bakary Koné Paul Koulibaly, qui a fait les beaux jours de l'étoile filante de Ouagadougou. Absolument. Avant qu'ils ne s'expatrient, ces deux joueurs-là ont joué ensemble à l'étoile filante de Ouagadougou. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. C'est vrai que lors des matchs amicaux en France avant la CAN contre le Mali et la Guinée, il y avait eu cette reconstitution, mais ça s'était arrêté à la CAN. Paul était retourné à son poste de latéral. Alors que là, c'est Pierre et la main défenseur béninois, non ? Ouais. La vie qui ne siffle pas. Ah oui, il a des amortis quand même assez bien orientés. Préjuste. Et hors-jeu de Pierre. Pierre, qui était en position hors-jeu. Pierre qui est l'élément offensif le plus dangereux des étalons pour le moment. Ah oui. Je pense que il a envie de scorer ce soir. Pour marquer des points, c'est le cas de le dire. Ça sera un retour triomphal en cas de but cet après-midi. Dégagement de Guillaume. Tête béninoise, mais Ali Rabo pour un adversaire, mauvais contrôle. Les jeunes sont là, mais Moussa Yedan, attention. Mahdi Panatigri pour Moussa Yedan. À la limite de l'agression, laisse jouer. La but qui laisse l'avantage. Ah. Malheureusement, la passe de Préjus n'était pas appuyée. Attention. Et c'est Omoto Yossi, abattu par Paul Koulibaly. Ah, je l'appelle le taureau.
Le taureau de Cotonou. Un attaquant vraiment à la force physique énorme. Et quand on parlait de tout nouveau, il y a Moussa Yeda aussi qui n'est pas mal. Qui n'est pas mal. C'est vrai qu'il a beaucoup à prouver. Pour une présélection des étalons, il fallait vraiment mettre ce nom. L'un des joueurs les plus en forme, alors que là, la balle est trop longue. Yeda, qu'est-ce qu'il va faire? Yeda qui va tenter de s'infiltrer. Il en a fait trop. Charles Kabore qui récupère maintenant. Il va jouer avec Ali Rabo. Est-ce que c'est la solution Ali Rabo? Je pense qu'il fallait jouer plutôt à gauche. Heureusement, Razak peut récupérer pour Kofi. Kofi trouve Rabo qui va balancer. Rabo, qu'est-ce qu'il voulait faire? Un lob ou... Sinon, ça, c'est non, pas une passe. Il veut dire qu'il voulait une balle téléphonée pour Préjus. L'écoulement. Mais je pense qu'il fallait mieux s'appliquer que ça. Et c'est Omoto aussi, Razak, qui attention. Va essayer de prendre la défense. Et Paul qui est là. Paul est encore là pour s'interposer. Et voici donc les Razak qui reste sur la pelouse. Avec Préjus Nakoulman sur le flanc. Préjus va passer son vis-à-vis. Préjus! Il est trop gourmand. C'est méchant. Oh. Préjus qui a été trop gourmand. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de sa part. Pour un professionnel, l'angle était fermé. Il y a des partenaires qui étaient... Il y avait Pierre et Moussa Yeda. Moussa Yeda. Donc, ah oui, il ne faut plus qu'il nous repère ça, Préjus Nakoulman. Ça ne lui ressemble pas. On a toujours dit que les attaquants sont égoïstes, mais là, il a fait preuve de beaucoup d'individualisme. C'est pas bien. Ouais. S'il avait essayé de servir un partenaire, je crois que ça allait être l'ouverture du score. Je prends que ce qu'il a fait, même pour déstabiliser son vis-à-vis, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Il a 10 sur 10. Maintenant, si c'est marqué, fais marquer ton coéquipier, il n'y a rien de tel. Il faut que les joueurs se rendent compte aussi que maintenant, la dernière passe est valorisée. Vous savez, on sait qui a marqué le but, mais on demande aussi, il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. Pierre, le but, non. Oh là là, Pierre Koulibaly. J'espère qu'ils ne vont pas regretter toutes ces actions manquées, les Burkinabés. Mais les Béninois maintenant. Pierre qui est blessé sur l'action. Sur l'action, il y a un muscle ou un tendon qui a lâché. Et voici les Burkinabés. Avec Charles pour Razak. Razak n'a pas regardé. Attention. Attention les... Alors que les Burkinabés jouent à 10. Les Burkinabés jouent à 10, mais il y avait un Béninois qui était au sol. C'est bien dommage sur Pierre Koulibaly. Voilà. Ça fait quand même beaucoup d'occasions ratées. Voilà, on dit de procéder. Il ne pourra plus. Les médecins font de grands gestes. Ah, c'est quand même dommage. Parce qu'il t'emmène l'aube qui ne réussit pas et. Il se blesse. Il se blesse. C'est un claquage. En tout cas, il a saisi sa cuisse. Il a peut-être dû rater son action en voulant tenter le lobe. Peut-être qu'il y a eu un geste déplacé. Oui. Sinon, je ne crois pas qu'il ait été touché par un défenseur. Il était libre de tout marquage. Voilà. Libre de tout marquage. Alors que nous jouons 23 minutes, pratiquement 24 minutes dans cette partie. Le score, toujours 0 à 0 entre les étalons du Burkina et les écureuils du Bénin. Mauvais contrôle de Panam Tigré. Qui manque vraiment de compétition. Oui, qui joue dans le championnat de Malte. Panam Tigré. Alors que je crois que c'est Isaac Ouédraogo qui se chauffe de Admira en Autriche qui va remplacer Paul Pierre Koulibaly. Alors que Razak, attention, aussi. Et c'est que nous n'en voyons pas beaucoup dans cette rencontre. Je crois qu'il n'y a pas eu faute. Les Burkinabés qui ont pu récupérer. Les Burkinabés qui perdent très vite la balle. Les Béninois
qui vont tenter de profiter de cette supériorité numérique momentanée. Et là, c'est un tacle de Paul qu'on a du plaisir quand même à voir cet après-midi. Comme quoi, il se comporte, même si on est gaucher, c'est pas facile de se transformer, de devenir latéral gauche si on n'a pas vraiment les dispositions pour bien jouer à ce poste. Mm-hmm. Alors que les Béninois, dommage, et faute de... Surtout pour Pierre Koulibaly. On ne sait pas qu'il sera indisponible pour combien de temps, mais... Espérons que ce sera pour une longue durée, parce qu'il y a beaucoup d'absents. Et Pierre doit manquer à l'appel. Il avait vraiment envie de démontrer ce soir. On dit l'homme propos, Dieu dispose. Prompt rétablissement à Pierre.